Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue, je suis en live, comme vous pouvez le voir, hein, le live du samedi soir, et on va faire du Battle Road, hein, comme bien souvent. Et on commence la soirée avec un Battle Road assez particulier, puisqu'on est en extrême intelligence, mais, nous sommes en voyageur du temps, full voyageur du temps d'ailleurs, full, voilà le petit coucou du chat. D'ailleurs, dites-moi tiens en commentaire sur la, bah, sur les gens qui regardent sur YouTube, en gros... Quand je fais une VOD en live, vous préférez qu'il y ait le chat ou pas? Alors pour les invocations, souvent j'enlève parce que le problème c'est qu'il y a souvent des petits malins. Là, c'est pas le cas, on est bien, donc dites-moi si ça vous gêne ou pas. Après tout, c'est vous qui savez plus que moi. Moi, perso, en tant que joueur, ça me gênerait pas, mais bon, bref. Donc voilà la team. Voilà la team alignée. Full voyageur du temps. Avec notre ami Blagoku en leader, forcément. Et donc, il y a du lourd, hein, quand même. On a Bojack. On a CLGT. Enfin, CLGT. Celle qui est passée ZT. On a Zamasu, qui est excellentissime. On a Daimao, qui, contrairement à ce que vous pensez, est très bon. Parce que 25% de debuff. Et CLGT, qui est pas mal. Il bloque l'ASP. Dégâts corrects. Il fait beaucoup de dégâts si l'ennemi est stun. Mais ce sera pas le cas ici. Parce que j'ai pas de stunner. Mais bon. Disons que, bon, c'est toujours sympa. Donc voilà, item assez classique, hein, et puis on est parti. Let's go, let's go, let's go, let's go. Alors rotation, Black, Zamasu, Cell avec Bojack. Parce que forcément, Zamasu et Black, ça fonctionne parfaitement bien. Et forcément, Bojack et Cell, ça marche bien, parce que boss, parce que récupération. Donc c'est pas mal. Alors c'est le mien, ah bah on va virer Cell, alors. On va virer Cell. Alors, Zamasu devant, parce que... Vous savez que c'est un tank de qualité supérieure. Est-ce qu'on peut faire un kill? Je me pose la question. Est-ce qu'on peut tuer? Non, je pense pas qu'on puisse faire... Enfin, quoi que... Enfin, ça dépend si celle part en spé après. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. On va essayer de kill... Ou alors Bardock direct. T'as Bardock qui attaque combien de fois? Une fois, deux fois? On va essayer d'en sécher en direct. On va essayer d'en sécher en direct. Voilà, petit black. Petit stack de def pour commencer. Et oui, donc, c'est aussi dans ces cas-là que tu te dis que... Ah oui, quand il n'y a pas rosé puissance, ça fait mal aux yeux, quoi. 40 000, bon. Hein. Mais bon, ah, c'est comme ça. Bon, normalement, on a le kill, hein, au moins de... Comment il s'appelle déjà ce con? Je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Deux attaques spé. Non, Brice, non. Non, non, parce que... Non, non, parce que Demigra, encore une fois, stun que sur le tour en cours, donc... Ah, mais c'est le festival, en fait. C'est le festival d'attaques spéciales, en fait. Ok. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, pourquoi pas, hein. Ah non, il restait plus de PV, t'es sérieux? T'es sérieux? What? Attends, j'ai pas pris 5 spé dans ce tour. Ah non, du coup l'autre a pas attaqué, mais j'ai pris 4 spé. 4 attaques spé, les gars. Non mais, sans déconner, quoi. 4 attaques spé. Ça va, c'est la fête ou c'est comment? Bon, faudrait qu'on sèche Thomas, ça serait bien qu'il attaque pas. Est-ce que ça va être jouable? Est-ce que ça va être jouable? Je ne suis pas sûr. Bon, s'ils refont une orgie de spé, ça va être chaud. Excusez-moi les termes employés, mais là, on en est là. On en est là, quand même. Alors, mon ami Cell bloque l'attaque spéciale. Alors, tu sais ce qui va se passer, c'est qu'on va bloquer l'aspé de Bardock. Comme ça, on est bien. Et puis, Daimao, il fait quoi dire sur l'aspé? Je réduis la def. Ouais. Bah on s'en tape, tu vas passer ton tour, frérot. Bon, normalement, là, on n'a pas besoin de mettre d'item, hein, mais... Mais, ouais. Zamasu régène. Ok. Spé de CLGT qui est pas mal. Qui est pas mal du tout. Petit blocage de spé, rentre chez toi. Bon, par contre, on se calme, les amis, s'il vous plaît. What? Ah ouais, Daimao, j'aurais peut-être dû lui mettre un peu de stats par contre, parce que là. Ça fait mal. Ça fait très très mal. J'aurais peut-être dû mettre. Ouais.
J'aurais peut-être dû mettre. Ouais. Des stats. Mais bon. Alors. Mon ami Thomas. Qui attaque avant. À la fin, c'est Bardock. Bardock. Qui a l'aspect bloqué. On a peut-être dû le tuer tout de suite. Hein. Bon. Autant te dire que là, je vais pas pouvoir rigoler très très longtemps. J'ai pas de debuff. Ils peuvent potentiellement repartir en spé. Donc là. Princesse Ebi. En fait, j'aurais dû mettre un item de réduction plus tôt. Mais en fait, bon, comme d'habitude, je prends un peu la température des adversaires. Mais j'aurais dû mettre un item plus tôt. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le lien boss. Et du coup, bah, on perd en défense. C'est un peu dommage. Gwen Videl, moi je mettrais full crit. Ok. Pas de critique. Zamasu. Putain, on va pas le tuer. Hein. Je rêve, on le tue pas. Salut John, c'est juste pour te dire que je te suis depuis 2017 et je te félicite pour ton évolution. Merci Antonin, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Ah, on a le kill. Bon, bah alors là, ça va être très très simple. Merci Beaujac. Bon, Thomas, tu vas dégager. Non, je crois que là, par contre, l'Ekis est mort. Ça va être mort pour CLGT. Ouais. C'est mort pour CLGT. Bon. Thomas, il serait temps de crever. Le trait. C'est bien ce qui me semblait, le trait. Peut-être une esquive. 100 000 ? Wow, mais... Attends, mais Beaujac qui prend 100 000 dans la tronche. Ouais, quand même. Quand même. Choqué. Je suis choqué. Bon. Il serait temps de... Ah oui, cette team a pas un DPS assez... Enfin, il a pas, voilà, pas de DPS vraiment intéressant. C'est... Bon, heureusement, on a de la régène, tout ça, mais bon, on fait pas énormément de dégâts, forcément. C'est un peu logique, vu qu'on est obligé de stacker. Ce GT, il est correct. Correct. Pas fou, mais correct. Ah bah, enfin, un petit critique, c'est bien. Putain, j'aurais presque pu me transformer, en fait, là. En vrai. En vrai, j'aurais pu, hein. Waouh, oui, là par contre, là. Merde. C'est pas mal. Alors là, le Dokkan Mode, faut le faire au troisième fight. Hein, parce que de toute façon, je pourrais pas aller plus loin, c'est pas possible. Enfin, je pourrais pas le garder plus loin. On fera le Dokkan Mode au deuxième, enfin au troisième combat. Allez, salut. Quoi ? Toujours pas. Bon. Premier combat passé, c'était un peu long. C'était un peu long. On va pas se mentir, c'était un petit peu long. En même temps, il y avait 5 adversaires. C'est aussi pour ça que. Bon. 5 adversaires, c'est un petit peu chiant. Bon, là, on va arrêter de faire les fous. Et on va mettre un item de réduction. Enfin, direct. Voilà. Zamasu. Tu rigoles de Kansi. Putain. Putain, ce misclic. Putain, merde. Putain, j'étais en train de... J'ai lu le chat et du coup, ça... Enfin, l'écran... Enfin, le doigt est parti trop loin de l'écran. Fait chier. Fait chier. Bon, on va bloquer... On va bloquer Piccolo. Ah, je sais que c'était ironique parce que bon... Je trouvais ça un peu bizarre. Je trouvais ça un peu bizarre quand même. Bah, Narusuke, c'est ça, c'est chaud. C'est ça le délire. Qu'on le veuille ou non, c'est gênant. C'est long, c'est un peu long quoi.
que Gotenks esquive. Non. Ok. Ouais, c'est le GT, petit blocage. Bim. Alors là, on a le debuff. Putain, deux attaques à la fin. Deux attaques à la fin. SP bloqué pour Piccolo. Oh. Est-ce que je pourrais avoir l'aspect ultime? Ah non, mais du coup, je vais être obligé de prendre. Ouais. On va tenter. Alors Bilal, je comprends absolument pas ton raisonnement là. J'avoue que là j'ai du mal à suivre. Hein. Ouais. Non Lucky, mais. Enfin fais ce que tu veux, mais bon. Il a déjà 5% d'esquive, donc. Non, je mettrai pas encore d'esquive. Hein. Je mettrai crit en deuxième. Vas-y, sel, mon petit sel. Yo, petit loup, ce du soir, ça fait toujours plaisir de l'ESBR. Continue, merci, The Samagas. Putain, mais je suis en train de perdre ma voix, mais putain, mais c'est insupportable. Un mois que je suis malade, que je perds ma voix, je sais pas pourquoi, comment, c'est un truc de ouf, quoi. Putain, ça me rend ouf, quoi. Putain, j'ai pris les médocs, hein. J'ai fini les médocs, mais. Ça sert à rien, j'ai l'impression, en fait. Bon, Baron est encore active. Mais bon. Marron est encore active. Ouais, c'est bien, mais. C'est cool, mais bon. Ouais. Ouais, c'est bien, mais. Bon, allez, qu'on fasse du dégât. Oh, Tachi, je crois pas, hein, parce que. Pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Bon, ça serait bien qu'on sèche Gotenks, hein. Ça serait bien qu'on sèche Gotenks. Ça serait cool. Mais je vois pas l'intérêt de mettre Kidbu, je perds des stats, enfin je comprends pas. En plus Kidbu a 0 lien de ki, donc quel intérêt de mettre Kidbu plutôt que Black. Alors que Black, là on est full voyageur du temps. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas du tout l'intérêt. Je vois pas. Ok, attaque spé sur Zamasu, ça m'arrange. Ça m'arrange de ouf même. Black, 824 000. Bon, quand même, on voit assez nettement que. Que. Putain, le trait. Que. Voilà, Black sans oser, tout de suite, c'est pas la même histoire déjà. Et la mid-door a un doublon hein, quand même. Donc, Et je dois regâcher une spé. Génial. C'est génial. C'est génial, mais bon, pas le choix. Bon, le dérage, c'est chiant, faut se soigner en fait, exprès, mais c'est un peu chiant quoi. C'est un petit peu chiant. Ce plateau de ki est éclaté. On va pas perdre. On va pas perdre, mais ça, disons qu'on va pas gagner très loin en termes d'items quoi, mais. Bah Bilal, c'est pour ça on est fou le voyageur du temps frérot. C'est pour ça. Bah d'ailleurs je crois qu'on a la transfo là, je suis pas sûr mais. Il me semble qu'on a la transfo là, non? Ah merde putain, on vient de se prendre une patate qui nous passe en dessous des 80. Donc non. Oh ce plateau de ki. Il est magnifique. Bon après c'est pas Zamasu qui fait beaucoup de dégâts mais. Ah ouais d'accord, j'avais même pas vu. J'avais même pas vu le Dokkan mode, c'est magnifique. 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 Bon bah écoutez, ouais. Merci Lucas pour la boue. Bon bah... oui, ok. Ok.
peu décevant. En même temps, je pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. Bon, après, là, le combat, c'est Vegeta Trunks, donc c'est... Enfin, quoi, non, enfin, si je crois que c'est Vegeta Trunks. Ouais. C'est pas non plus... enfin, ils auraient pas tué, quoi. Bon, on va mettre un dragon d'entrée de jeu. Ouais, le dérage, c'est clair, c'est clair. On verra bien ce qui va se passer, mais... J'avoue, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon, allez. Faut qu'on... Quand même qu'on avance, hein, parce que... Parce que voilà. Vas-y, Trunks, pas en spé sur Bojack. Je suis choqué quand même des dégâts que je prends avec un item, quoi, sur Bojack. Je sais que les spés font mal quand même, mais bon, à ce point-là, on est en bas de Turon Neogod, quoi, on n'est pas en catégorie. Mais enfin, après, j'ai pas de doublon. Première attaque spé de Black Goku. Bon, Trunks est presque mort, ça étant dit. La deuxième, évidemment, hein, bah oui. Bah, je crois que je préfère qu'il la fasse maintenant, mais... À choisir. Bon, tout sur Trunks. J'aurais pas dû faire ça. RIP Cell GT. J'ai merdé là. J'aurais dû laisser les violets. J'ai merdé de ouf. Je me suis dit, je vais me régénérer un peu, mais. Bon, c'est pas grave. Ah oui, aspect magnifique, ça, y a pas de problème. Ça, y a aucun problème. Ça, y a pas de souci. Pas encore que la transformation, c'est chaud, mais... Ah, le trait qu'on aime. Vous savez, le trait sur ma chaîne, c'est comme un enfant, tu vois, genre, c'est j'adore. Oh là là, l'esquive. Le trait, c'est... Voilà, c'est ma vie, le trait. J'adore le trait. Je le kiffe. Toute ma vie, le trait. Pourquoi il rework pas les Space ZTR? Bah, je vais te le dire en un mot. Flemme. Ouais, pourquoi? Bon, vas-y, celle-là, montre-nous. Montre-nous du beau jeu, là. Voilà, encore. Ah, dommage. Encore. Il a pas voulu. Non, t'es sérieux? Encore une attaque speed. Aïe. Bon, j'ai plus d'items. Bon, ok, sur le portail de Black Intelligence, du coup, grâce aux Amasu. Quoi ? Faut invoquer sur le portail de Black. Je comprends pas, Ryan. Parce qu'en fait, ta phrase, ça devrait être, du coup, faut pas invoquer. Parce que, enfin... Vu qu'il est sur le portail du Zamasu avec Rosé, donc je comprends pas. Je comprends pas ton message. Ça devrait être l'inverse, en fait, que tu me dis, mais... À moi qui a une petite erreur, mais je comprends pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai la flemme de remettre un item en fait. Ouais, tu sais quoi? On va rester comme ça. Merci King pour l'abo. Merci beaucoup. Bon, c'est quand que tu fais du crit? Parce que je sais pas. Comment te dire? T'as du crit dans ton passif, faut que ça serve à quelque chose, tu vois. Mais. C'est Marwan. Mouais. Mon sel. Bon, là, on a le kill. Si on peut, c'est pas tout juste. Enfin, non, pas tout juste. Enfin, si, enfin, il restait une place avec notre très cher Démigra, mais. Putain, t'es sérieux. Bon, de toute façon, là, si on le tue pas, faut qu'on peut-être pas le tuer en fait. Hein. Je pense pas qu'on le tue en fait, là. J'ai un doute. Ah putain, non, trop de PV. Trop de PV, cet enfoiré.
J'ai dit qu'on devait invoquer sur Black Intelligence sur la glo grâce aux Amasu qui up la catégorie. Mais bien sûr que non. Black Goku est sur le portail de Zamasu, donc justement, faut pas invoquer. Faut pas invoquer. Certainement pas, justement. Ouais, simple, enfin, extrême intelligence, ouais. Donc non, certainement pas, non, justement. Au contraire. Ouais, c'est quoi cette descente de ki de merde, là? Putain, non. Tu sens le trait ou pas, là? Ouais, c'est un terrain passé, j'en ai rien à foutre. Ah, je vous jure. Ça passe ou ça casse. Merci Zamasu. Foiré. Ouais, on est parti pour... le Saiyan de Paris, oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Voilà, correct, sans plus. C'est pas, on va dire que c'est pas vraiment un atout, on va pas se mentir. C'est pas la carte qui va t'aider, quoi. C'est pas la carte qui va t'aider. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je suis midlife. Midlife, soit je mets Bulma plus Dragon, soit Ibi. Dans tous les cas, après le tour d'après, je devrais autant envoyer les hostilités de suite. On va mettre mon ami Marron. On va le tenter dans une team divine. En divin, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. En fait, de toute façon, d'une manière générale, en Battle Road, autre, enfin, genre divin, extrême et tout ça, si t'as Zama Black, en fait, bah, Zama Black est plus intéressant, donc dans tous les cas, c'est... Si, il régénère, mais quand t'es en dessous de 30, je crois, 30%. On va essayer de sécher Goku vite fait. Putain, j'étais persuadé que ça allait... Putain, mais... Putain, même après des années, la descente de ki, des fois, quand tu prends trop de ki, tu sais pas trop ce qui va se passer. Putain, sérieusement, quoi. Ouais, Thibault, le gâteau était très très bon. Très très bon, je peux même pas stack ma def. Voilà. Putain, cette rotation de merde, c'est assez impressionnant. Assez impressionnant. C'est assez impressionnant, les amis. Moi qui voulais killer Goku, ça va être compliqué. Hein. Au moins que Cell fasse une attaque sup, mais... Bah bien sûr que non, évidemment que non. Évidemment que non. Bon, j'ai encore la réduction, mais on a pris cher, quoi. Je sens que je vais me faire 40 encore les kills. Hein. Les rouges, ils vont mal descendre, je pense. Quoique. Non, c'est bon. On va bloquer. On va bloquer Goten, tiens, éviter qu'il attaque à la fin. Ouais, j'ai eu un gros bug, je crois que j'étais acquis. Enfin, il manquait 4 ki, mais. Oulala, ouais, enfin, j'ai l'habitude de la rotation Excel et l'autre là. Bon, bah, bref, rip. Bon, après, limite, il aurait mieux valu ramener des cartes extrême intelligence des autres. Enfin, même s'ils sont pas dans la catégorie, parce que. Ouais, c'est le GT, c'est pas non plus le feu, quoi. Surtout sans doublon, c'est pas fou, quoi. C'est pas incroyable, hein. 22 000. Bon, j'ai encore l'item de réduction de dégâts, là.
Et le plateau de qui pue la merde. C'est magnifique. C'est magnifique, les gars. C'est magnifique. Ce plateau. Ce plateau extraordinaire. Moi, Boujac va mettre sa tarte de l'espace, mais... bon. J'ai encore item actif, j'ai une réduction. Bon, tu sais quoi, advienne que pourra. Hein, parce que là... j'ai... Ça va, ça va. J'ai la réduction, j'ai encore l'item. Franchement, normalement, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe easy. Ça passe easy. Par contre, Goku va jamais crever. En même temps, forcément, je pars jamais en spé, donc... ça paraît logique. Peut-être que Piccolo Daimao va l'avoir, peut-être. Qui sait. Sur un malentendu. Alors, bon, bah là, je crois qu'on n'a pas 36 000 solutions. Bon, il faudra peut-être tuer Goku un jour. Hein. Enfin, peut-être que Goku crève un jour. Hein. Moi, je pose la question, bah, je me dis que bon. Ah, peut-être qu'il crève un jour, Goku. Je sais pas, mais c'est une question. C'est un mec qui crève un jour. Peut-être maintenant, ça serait bien. Merci. Merci, merci. Zamasu, la régène. Double régène, monsieur. Ce Zamasu, il est incroyable. Zéro dégâts. Le Black Goku qui va pas faire grand chose a priori, mais bon. Alors, s'il fait pas de crit après. Alors, ça, j'aime bien par contre. Quand c'est positionné comme ça, je dis oui. Je dis oui, monsieur. Là, je dis oui. Là, je dis oui, monsieur. Alors, c'est vrai que c'est assez chaud de partir en split team avec Bojack. Hein. C'est assez compliqué. Ça va être chaud d'avoir le kill. C'est bien, Cell. C'est bien, frérot. Que celui qui a jamais eu le trait, plus l'aspect en première position, au tour suivant, avant que le perso meure, me jette la première pierre. J'avoue. Tellement vrai. Tellement vrai. C'est tellement vrai, ça. Zamas. Zamas. Bon. L'aspect est bloqué. Non, j'ai plus d'item de soin. Parce que sinon, j'aurais eu la transfo au tour d'après, mais... Alors peut-être que Zamasu va me régénérer assez. Peut-être. On va peut-être voir la transformation au prochain tour, les gars. Ce qui serait incroyable, mais... Je suis pas sûr. Ça dépend, je sais pas. Je sais pas si Zamasu nous a assez régénéré. Et ça dépend des dégâts qu'on va prendre là. Ah si. Non les gars, transformation. Oh là 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 là. Magnifique. Une transformation. Une transformation. Incroyable. Grâce à Zamasu qui régène juste assez. Si c'est pas beau. C'est pas magnifique. Alors le problème c'est que comme ce Black Goku a pas stacké, bah sa défense est pas exceptionnelle. Hein. Mais bon, je vais le laisser quand même attaquer en premier. On va lui laisser l'honneur. Putain, le Dukan Mode est juste là quoi. On va le laisser attaquer. Voilà, mais bon. C'est un petit peu tard pour être très fort, tu vois. Je crois que les gars, c'est la première fois mondiale que... que Black Goku Intelligent se transforme en Battle Road. Je crois que c'est la première fois. J'ai jamais vu ça.
Voilà, après évidemment, on arrive en rosé, on fait du crit à tout va, machin, bah oui, mais 6 tours, c'est trop long. C'est trop long, frérot, c'est ça le problème. Et c'est ça qui fait que la carte est vraiment frustrante, c'est que c'est trop long, 6 tours, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. On pourrait accepter le stack de la première version si la transformation arrivait plus vite. Mais là, frérot, 6 tours, c'est trop long. Trop long, frérot. Bref, bon voilà les amis pour ce petit test. Alors regardez le temps qu'on a fait l'autre fois avec la team, quand on a été celle, on avait une team de malades. On avait fait un temps de ouf. Et là, enfin temps de ouf, on se comprend dans les conditions d'une vidéo machin. Mais là par contre, c'est très 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 long parce que voilà, on a un DPS qui est pas ouf forcément puisqu'on monte en puissance avec les tours. Bon, Battle Road, faut être bon tout de suite hein, si possible. Voilà, mais bon. Voilà, on passe, il nous restait un petit item. Bon. Voilà, c'est sûr que c'est pas la meilleure façon de le faire, mais bon, pour le test, c'est sympathique. Hein. Bon, si on devrait nommer des MVP, bah, c'est simple, c'est Zamasu, c'est Bojack, c'est Cell. Enfin, surtout Zamasu. Zamasu en premier, évidemment, qui tank comme jamais, qui régène, qui fait un milliard de trucs, ce Zamasu. Donc voilà, on va se laisser là-dessus, sur ce petit test en Super Battle Road. On va attaquer la suite de notre côté en live. Et bien sûr, il y aura la suite en vidéo à venir. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo sur YouTube. Petit instant soutien, comme d'habitude, très très important. Portez-vous bien, des bisous à tous.